Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est TheDuckEt25, comment allez-vous? Écoutez, moi je pète la forme aujourd'hui pour notre cher épisode 3 de notre série Moab avec toutes les armes. Alors, on va attaquer très fort, donc avec la Scarelle. Alors, juste avant, donc je vais faire une petite présentation de l'arme pour ceux qui la connaissent pas, on ne sait jamais, hein. Peut-être que tout le monde n'a jamais joué à Modern Warfare 3. Alors, la Scarelle, donc c'est un fusil d'assaut très 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 puissant que je conseille énormément. Enfin, tout simplement parce qu'il est, franchement, il est puissant, il est très très précis, il a presque pas de recul, c'est vraiment un truc exceptionnel. Bah voilà, je vais dire ça comme ça. Franchement, moi je vous dis, essayez Scarelle silencieux grand chargeur, ça va faire un bon petit massacre. Voilà. Alors écoutez, moi je suis très très content de vous. Hein. J'ai demandé sur ma dernière vidéo, donc Mob avec la M16, si c'était possible d'arriver à 50 gemmes. Bon, on est arrivé à 29, c'est déjà très très bien. Franchement, je suis énormément content. Toi, t'es mort. Mais je voulais savoir s'il y aurait moyen que vous combattiez une fois le record des 50 gemmes. Donc franchement, je vous dis, faites-le une fois tous. Allez, tout le monde, tous les abonnés, mobilisez-vous un petit coup, ça vous coûte rien. Hein, mettre un petit gemme de temps en temps, ça peut toujours faire plaisir. Et voilà. Au passage, on est déjà à 222 abonnés. Alors, ne voulez pas continuer, ça fait super plaisir. Vers les 300 abonnés, je compte peut-être y ouvrir les top 5 ou les top 10, ça dépendra du nombre de participants. Et au passage, pour mes 500 abonnés, n'oublie pas, ça je le précise, comme ça vous peut-être vous forcer un petit peu à vous bouger. J'ai un de mes abonnés, je pense qu'il se reconnaîtra, il a dit sur ma triple tentative triple homme à l'MPC dans Arcadène, il a marqué en commentaire, d'ailleurs il est même en top des commentaires, il a marqué « Eh, mais si tout le monde parlait de TheDuckEt25 dans son bahut ou dans son école, je sais plus trop quoi, il serait hyper connu. » Mais moi je vous dis, franchement je suis sûr que personne ne le fait, franchement essayez une fois de le faire. Ça vous coûte rien après tout, hein. Ça vous rendrait un énorme service, mais je vous oblige, en aucun cas je vous oblige. Hein. Mais vous faites comme ça, vous faites un mec au courant, il y a un mec, un TheDuckEt25, il fait une série, là, il fait des mobs avec toutes les armes du jeu. Dites juste ça une fois à vos potes et ils iront sûrement voir sur ma chaîne, ça pourrait être super sympa. Voilà, et au fait, dernier projet, à partir pour mes 500 abonnés, je ferai un défi. Alors vous allez peut-être dire que c'est un peu du blagia sur Squeezie, mais c'est pas grave, on peut tous le faire. Je ferai une cuillère de moutarde, alors de la moutarde, pas n'importe quelle, pas la petite moutarde des débutants. La moutarde extra extra pimentée avec des grains et tout, c'est le truc que j'ai pris hier, je peux vous dire que j'avais les yeux qui pleuraient, c'était abusé. J'étais tout rouge, pourtant le piquant j'aime bien, mais là c'était monstrueux. Ça avec un mélange d'harissa, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que le harissa. Le harissa c'est une sauce, je ne vais pas dire de bêtises, ça vient des piments du Cap Bon, du Cap Horn, là, tout en bas du... Bah, c'est de l'Amérique du Sud là, c'est... Vous prenez ça, je peux vous dire que garantir que le lendemain matin vous chiez liquide, hein, ça c'est une véritable horreur. Voilà, maintenant on refait un petit peu au gameplay. Donc je suis dans Black Box, hein, comme vous l'aurez sûrement remarqué, qui est une map que j'aime pas forcément très très bien. Mais je suis vraiment content parce que ça n'empêche dans cette map que j'ai déjà fait deux mobs avec deux armes différentes, hein, la M4 et la Scarelle. Dernière chose, mais je remercie Daskofun, donc et, ouais, Alexis te reconnaîtra sûrement, un de mes abonnés, un membre de ma team, un très bon ami, il m'a fait les logos d'ailleurs que vous voyez en haut à droite de la vidéo. Mais si jamais quelqu'un s'est retiré le blanc, apparemment je me suis renseigné, on s'est fait avec Photoshop. Si quelqu'un aurait la bienveillance de vouloir le faire, donc d'aller sur Photoshop et de retirer le blanc autour de la mob et de l'arme, si quelqu'un est d'accord pour le faire et qu'il me contacte par un message privé, je lui envoie le paquet WinRAR avec tous les logos de toutes les mobs, de toutes les armes, et je lui passe, et ça pourrait vraiment très gentil. Si bah, je vous oblige pas à le faire, mais sachez que ça pourrait vraiment très sympathique, donc si jamais quelqu'un de vous maîtrise Photoshop assez bien, bah... Manifeste-toi s'il te plaît, je te ferai une petite dédicace dans ma prochaine vidéo s'il le faut. Mais ça me pourrait vraiment se rendre service parce qu'on voit quand même un carré blanc dans la vidéo, ça fait un peu tâche quoi. Mais voilà. Alors je suis environ à 12 d'affilée, je peux vous dire que cette mob va être assez rapide comparé. Je l'aurai vers la moitié de la partie, mais voilà, après je vais pas tarder, enfin après. Ce qui va se passer en fait c'est que j'étais vraiment à fond sur la mob et dès que je l'ai eu, bah, vous allez voir que dès que je l'ai eu, je vais plus être si concentré sur la partie. Ah oui, dernière chose, et ça franchement ça m'a énervé, MC, j'ai un mec qui, je viens de faire connaissance avec, enfin connaissance avec un hater, entre guillemets, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis modérateur de la chaîne Code Community 000, donc c'est une chaîne de Call of Duty qui a à peu près, pardon, 250 abonnés, je suis modérateur, il y a le fondateur, le cofondateur, et en fait le fondateur et moi on n'est pas très très potes. Du reste il me déteste, si vous allez voir sur mes vidéos, il est pourri, sur son parti à la M16, il a marqué ouais, booster de merde et tout. Je remercie Redzia et Champion 6 qui ont pris ma défense parce que bah je booste, sachez je ne booste pas parfois mes mobs, je les fais normalement, je les fais. Je demande parfois mes équipes foutre des drones, exemple ici là j'étais tout seul, mais dans la M4 et la M16 vous avez bien vu que j'étais souvent avec Champion 6 ou un autre qui mettait des drones. Et ça je les remercie énormément parce que bon bah, c'est grâce à surtout grâce à ça. Mais on va vraiment. Ça m'énerve des gens qui disent que je booste en première triple bombe, on m'a déjà dit que je boostais, mais
J'ai fait une triple mob, voilà, c'est, je sais pas, mais ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai pas boosté. Je l'ai fait, je sais bien qu'il y a nos cheat, nos camps à faire en boostant, voilà, à cause de ça, mais maintenant, tout le monde pense que je booste, mais voilà, sachez que je booste pas. Donc, j'aimerais bien savoir si vous pouvez aller voir, dire un, je sais pas, faire un, une petite action, quoi, je sais pas, aller, envoyer un bon petit message, histoire qu'ils me foutent la paix, ça serait vraiment sympathique, parce que j'en ai vraiment marre. Sur, exemple, la mob à l'MC, j'ai demandé 50 gemmes possibles, il y a tout que des gemmes, sauf un j'aime pas, devinez le j'aime pas, c'est de qui, hein? Et mes vidéos, donc j'upload parfois des vidéos sur la chaîne Code Community, genre j'ai uploadé ma tentative triple mob, ma domination la Skerel avec le débat des casques de jeu, et ma, je sais plus trop quoi maintenant, mais j'ai oublié. La troisième partie, je sais plus c'était quoi, oui mon 200, mon ma très jolie ma nuque old school à la M16, et bizarrement j'ai le cofondateur, donc qui est un de mes amis aussi, à Monsieur Vodka, m'a dit ouais la Code Community était hackée et tout, je fais pourquoi, tes vidéos ont disparu, bizarrement mes vidéos ont disparu. Et mon le mec qui dislike mes vidéos, il est c'est le fondateur, on peut tous se poser des questions bizarrement, franchement. Voilà. Enfin, soit ça, vous avez bien remarqué que j'ai environ à 22 23 d'affilée là, ça y est, j'ai commencé vraiment à stresser là, je me dis putain, j'ai pas, et voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que j'ai été fait faire embrocher par un fusil à pompe là, je vous dis, j'aurais pété un câble. Au passage, je sais pas si ça a marqué, mais ma voix est différente. Oui, j'ai reçu mon Triton AX Pro, donc c'est le Triton AX Pro 1.5, la nouvelle version avec la nouvelle télécommande toute bizarre qui m'a fallu plus d'une heure à paramétrer parce que j'ai trouvé pas la bonne configuration avec le front, le center, le rear et le sub. C'était quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, maintenant j'y suis arrivé, ça me fait bien plaisir. C'est vraiment un truc, je pense que je peux dire, c'est époustouflant, moi j'y croyais pas du tout. Hein, j'ai joué avec le Triton AX720 de champion du 96, donc Vincent. Et déjà c'est très bien, hein, c'est très bien, mais alors le AX Pro, c'est monstrueux. Voilà, vous allez voir que ma partie de maintenant, là, j'ai dit que j'allais peut-être, j'allais beaucoup crever, j'allais pas être très, très très concentré. Vous allez voir que je commence à faire une bonne série, alors je vous sais pas, je vous ai laissé de la petite surprise, puisqu'on, je pense, je présume que vous aimez bien le suspense. Est-ce que j'aurais peut-être fait une double mob? Regardez, on est qu'à la moitié de la partie, j'ai encore tout mon temps pour faire une deuxième mob. Et vu comment je suis parti, hein, vu les pigeons qui en face, ça pourrait être très facile. Ça, je vais vous laisser la surprise là-dessus. En attendant, moi, j'espère vraiment qu'on arrivera un jour à dépasser les 500 abonnés, voire même les 1000. Le jour, je peux vous dire que le jour où j'arrive à 1000 abonnés, je sais pas ce que je fais, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que j'ai beaucoup de mal à me faire connaître. Hein. Voilà. Ça serait vraiment quelque chose d'énorme. Donc, moi, j'ai dit, hein, franchement, faites comme le mec a dit. Parlez un peu de moi autour de votre école, de vos potes qui sont un peu geeks, ou enfin des geeks, vos amateurs de Call of ou quoi. Parlez-leur un peu de ma chaîne, ça pourrait vraiment être super sympathique. Parce que ça vous coûte absolument rien, en fait. Une petite phrase, comme j'ai dit au début de la vidéo, une petite phrase. Ouais, tu sais, il y a un mec qui est doté que 25, qui fait ça, il fait ça, il fait ça. Enfin, vous êtes un petit peu à quoi je joue, enfin, ce que je fais, ça pourrait les intéresser, ça pourrait vraiment être super sympa. Du reste, je sais pas comment je l'ai vu celui-là. Voilà. Oh, c'est un texte dommage. Mais sinon, je vous dis, l'épisode numéro 4 sera la CM901 et j'ai passé. Mais celui-là, je peux vous dire que j'ai passé plus d'une semaine à la voir, la map. Enfin, j'ai réussi, hein, mais vous allez voir que la vidéo va être. J'ai beaucoup temporisé parce que je pétais des câbles. Enfin, soit. Je perds un peu le fil de mes idées. Là, je fais ce petit commentaire à l'arrache parce que j'avais dit la vidéo pour samedi, mais. Hier soir, j'ai pas eu le temps de l'uploader, donc je l'uploade pour aujourd'hui. Je l'uploaderai bah maintenant. Tac. Dommage, campeur. Ah là là. Du reste, dites-moi un coup ce que vous pensez de nouvelles maps de Modern Warfare 3 si vous les trouvez bien ou à chier. Alors, ici, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai la plus grosse chance de malade. Le javelin a failli me taper dessus. Hein, il a tapé sur mon pote qui est mort, pas moi. C'était vraiment. Oh là là. Un gros coup de chance. Du reste, moi, le space douche, je sais pas que ça allait aussi loin. Enfin, soit. Voilà, je vous l'avais garanti, je vais un petit peu galérer maintenant. Enfin, galérer. Plus j'étais plutôt décontracté. J'étais plutôt. Ouh, j'ai ma mob, je suis content, c'est bon, on va. Je n'allais pas quitter la partie non plus, hein, mais. Oh là là. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, à moins d'un miracle, je peux vous dire que cette tentative double mob est un échec. Cette phrase m'a énormément marqué parce que, en fait, c'était donc il y a. J'ai envoyé le jour où j'ai fait ma triple mob à la MB7, je l'ai envoyé à Code QG et ils l'ont pas accepté. Et le jour même, ils ont uploadé
un gameplay, c'est la tentative triple mob au fade ou je sais plus trop quoi. Et c'était un mec, il a fait comme ça. Il a fait, en fait, le mec, il a fait 2 mobs et 5 kills. Et il était à 190 points. Il fait, oh là là, à moins d'un miracle, je peux vous dire que cette tentative triple mob est un échec. Et moi, ça m'a fait mais péter un câble. J'ai pété un câble sur Code QG. J'ai envoyé un message. Je leur ai dit, non, mais vous prenez pour foutre de ma gueule, c'est pas possible. Moi, j'ai eu les 3. Moi, la triple mob, moi, j'ai eu les 3. Et lui, non, il en a eu 2. Il a fait 2 mobs et 5 kills. Ça m'a écœuré. Enfin, voilà, après, c'est. Ils sont décidés. Ils m'ont sorti comme excuse que la MP7 n'allait pas trop plaire aux abonnés parce qu'ils avaient déjà uploadé un gameplay du même genre. Ok. Voilà quoi. Bon bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. Moi je vais vous dire en attendant. En fait, il va se prendre une petite seconde. Donc moi je vous dis, faites-le, hein, parlez un peu de moi autour de vous. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un bon petit commentaire, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas surtout à mettre le j'aime. Franchement, je vous dis, mettez-le. Et c'est vraiment tous ceux qui me supportent. Qui me soutient, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Franchement, on essaie de battre les 50 j'aime. Je compte sur vous. Il faut qu'on batte les 50 j'aime. Ça pourrait vraiment être super. Alors, en attendant, voilà. Donc, je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, ça vous plaît. Mettez la vidéo en favori si vous voulez. Mettez le j'aime, surtout faites-le s'il vous plaît. Ça serait vraiment super cool. Mettez un petit commentaire dans la vidéo. Allez, ciao, bye bye. À la prochaine.